Google Forms. Je viens de créer un compte Google et à présent je désire me connecter dessus pour pouvoir réaliser un formulaire. Alors, comment dois-je faire? Eh bien, je vais lancer n'importe quel navigateur, ça peut être Firefox, ça peut être Chrome, ça peut être Safari ou encore un autre. Une fois que mon navigateur est lancé, si je viens de créer le compte, peut-être suis-je déjà connecté sur mon compte Google, mais là je vais prendre le cas où je ne le suis pas. Donc si je veux retrouver un compte Google, il faut quand même connaître au moins ce compte ou l'adresse mail qui a permis de le créer. Je vais donc simplement taper Google dans mon moteur de recherche. À partir de là, il me permet de me connecter. Pour se connecter, eh bien, il va retrouver les dernières connexions que vous avez pu faire. Là, vous voyez qu'il le retrouve tout seul. Ou bien sinon, vous tapez simplement l'adresse mail de ce compte. Il va vous permettre de vous connecter dessus, après bien sûr avoir rempli le mot de passe qui permet de prouver que c'est bien vous. On tape le mot de passe et on va pouvoir se connecter. Je vais me l'enregistrer pour qu'il puisse s'en souvenir. Voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir me connecter sur mon compte Google. Voilà, donc là, comme je suis sur un Mac, j'ai demandé à ce que il me reconnaisse automatiquement. Mon compte Google est à présent connecté. Je peux rajouter des informations comme mon adresse, mon profil, etc. Je n'ai pas besoin de faire tout ça, donc je vais mettre Not Now et je vais basculer maintenant en mode authentifié. Vous voyez que là, je suis authentifié puisque j'ai le petit F de Fabrice qui permet de dire que je suis bien connecté à mon compte. Je vais à présent pouvoir créer un formulaire ou un questionnaire sur Google Forms, simplement en activant le menu des Google Apps. Parmi toutes ces Google Apps, on va pouvoir trouver la Google application qui m'intéresse. Vous voyez, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, normalement, vous devriez pouvoir trouver Google Forms disponible ici. Donc, je vous présenterai la création d'un questionnaire Google dans la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo de connexion d'un compte Google vous a plu. Si c'est le cas, bien surtout likez la vidéo. Ça me permet de savoir si il est utile que je fasse ce genre de vidéo ou si je peux aller plus vite dans les explications de mes vidéos. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.